Salut à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre Let's Play sur Road Trip Adventure. Dans l'épisode précédent, nous avions galéré à mort, on avait fouillé partout dans Fuji City. On n'a pas réussi à résoudre le mystère de l'enlèvement de Otomi, la fille de la pâtisserie tartelette. On avait quand même pu visiter les dernières maisons qu'on n'avait pas pu... On n'avait pas réussi à aller voir à Fuji City. Et donc là, on va commencer cet épisode en... Je suis déterminé, là, c'est pas possible. On va résoudre une fois pour toutes. On peut pas faire autrement. Hein. C'est obligé qu'on... On doit résoudre l'histoire de l'enlèvement. Parce qu'on est bloqué, sinon. Il est 4h du matin dans le jeu. On est parti. On va voir le garde. On va voir le garde, c'est pas possible. On va revoir peut-être Ishigoya, on sait pas. J'ai vu le propriétaire, le policier est venu me voir, j'ai entendu parler de la pâtisserie tartelette. De toute façon, il doit le savoir, on est très occupé, et lui, il se promène. Je m'excuse, je n'aurais pas dû me plaindre au client. Il nous redit la même chose, il nous parle pas, il nous donne pas d'informations. On nous a parlé d'Ishigoya et du garde, si on nous parle, si Ishigoya ne nous dit rien. C'est que le garde, c'est la clé. Hein. On va y aller. Mais c'est la dernière fois. Après, faudra passer à autre chose. Hein. On peut pas passer deux épisodes sur ça parce que on va pas s'en sortir, on va pas avancer sinon. C'est trop dur, je comprends pas, c'est beaucoup trop dur. Le garde est là, incompréhensible. Quoi? Pardon? C'est une blague. En poussant le garde, j'ai ouvert un passage secret. C'est une blague. Tout était là, sous nos yeux, depuis le début. Oh là là! Ah, c'est énorme. Il y a un passage secret en dessous, juste en dessous du bloc, enfin de cette boîte. Oh, je suis... Oh, c'est extraordinaire. Oh, les amis, c'est vraiment fou. Bon, allez, on y va. Ah, c'est fou ce qui s'est... Otomi. Ah, c'est elle. On l'a trouvée enfin. Enfin. Ah, qui es-tu? Tu es venu pour me sauver? Ishigoya, le propriétaire, m'a kidnappé. Il voulait que je me marie, le méchant. Je voulais que je marie le méchant chef de police. Merci beaucoup pour m'avoir sauvé. Je veux te remercier, prends ceci. Avoir d'amour, yes. Je veux pas être toute seule, reste avec moi. Ah, c'est extraordinaire. On a sauvé la fille, enfin. Putain, c'est Ishigoya qui l'a enfermé là-dedans. Et le garde? Il fallait attendre qu'il dorme. Putain. Oh là là. Bon. On a ramené Otomi à la maison. Oh, Otomi, tu es de retour. Tu l'as sauvé? Merci, merci. Je ne sais pas comment te remercier. J'apprécie beaucoup. Et il nous a rien donné. On a sauvé Otomi de la pâtisserie tartelette. Ah, c'est parfait. Enfin. On klaxonne. On fêtait ça. Un peu de klaxon pour les braves, comme je dis toujours. Les amis... Je pense qu'on a fini ce qu'on devait faire primordialement à Fuji City. On va pouvoir prendre l'autoroute et passer dans une nouvelle ville, voyager, continuer notre aventure. Belle ville en tout cas, Fuji City. Malgré qu'on a galéré pendant tout un épisode, j'ai bien aimé cette trame autour de Otomi, de son enlèvement. Parce que finalement, le mécanisme était franchement sympa. C'était juste à côté du garde. Il fallait activer un passage secret. Mince. Shohei. Hey, je suis Shohei, vite comme le vent. Tu sembles faible. Tu veux pas faire la course comme ça, cela n'a rien à voir. J'ai bien aimé ce mécanisme de passage secret. Franchement, c'était stylé. Allez, on va prendre la route de nuit en plus. Et ça, c'est... grande sensation.
Et on va changer la radio. Allez, c'est parti les amis, on va passer sur l'autoroute. On va faire une petite photo. Une petite photo souvenir de Fuji City avant de partir. On est au coup de combien? 27. Et voilà, on est juste devant l'autoroute, les amis. Ah, merde. J'ai appuyé trop vite. On va revenir. Il avait un dialogue différent de tous les quickpicks. Oui, on va reprendre une photo. Voilà. Comment es-tu ta photo, s'il te plaît, reviens me voir. Ils disent que l'atelier quickpick numéro 28 est situé au nord-est d'un Realty à MyCD. Mais j'en ai entendu dire qu'il n'est pas encore ouvert. Peut-être tu pourras aller voir. MyCD. Les amis, je crois qu'on a trouvé notre prochaine direction. Direction MyCD, basé sur le panneau d'autoroute. MyCD. Let's go les amis, on prend l'autoroute, on respecte les règles, on se met sur le côté gauche. C'est parti, direction MyCD avec ce beau ciel qui étoilé. Désertique hein, autour, hein, beaucoup de sable. Ce ciel désertique, on est parti, direction MyCD. Toujours klaxonné. Je vous laisse avec la musique, le temps qu'on trouve peut-être une sortie ou un nouveau chemin. La musique, un peu de klaxon et le bruit du moteur. Je crois qu'il y a une sortie, les amis. On freine. Il y a une sortie. À gauche, il y a une sortie, la première sortie de cette autoroute. MyCD ou Saint-Paulis. On est parti, les amis, on va sur la première sortie qu'il nous propose. Donc, je crois que c'est. Exit. MyCD, let's go. On sort. Sortie MyCD. C'est parti. Prochaine ville, apparemment. Petit péage, ma foi sympathique. Ah, je crois qu'on est arrivé. Hein. Voyons voir cette ville de MyCD. C'est tout vide, hein, par contre. En gros, c'est ça ta ville. Wonder Real. Ok. Voilà, au bagnole. Wonder Realty. Eh hey, bienvenue, c'est Wonder Realty. Le développement de cette ville dépend de nous. Oui, c'est la réalité. Est-ce que tu te cherches un beau garage? Présentement, on te donne le garage gratuit. Mais en retour, on veut que tu fasses de la publicité pour cette ville, si ça te convient. As-tu un garage? Alors là, mec, absolument. Merci, je suis sûr que tu l'aimeras. Allons dans le garage. Ouah, stylé. Putain, c'est notre QG, le mec. On vient de notre QG. Vérifier email. On a un petit ordinateur. Vous êtes connecté. Excellent, on a des mails. Alors. Cher Pierre, votre email est maintenant connecté. Le système vous avertira s'il y a de nouveaux messages. Avec la lumière GPS et un tintement. Prochain message, comment utiliser la boîte email. Grave stylé. Instruction. Dans la boîte email, un nouveau mail apparaîtra en haut de l'écran. L'icône enveloppe à gauche du titre montre les messages lus. L'info sur le sujet et le destinateur est affiché dans la petite fenêtre. Prendre plaisir à utiliser ce système. On oublie, les traductions ne sont pas excellentes non plus. Wonder Realty qui nous envoie un message. Cher Pierre, est-ce que vous aimez l'ordinateur? Vous avez sûrement vérifié la boîte email. Choisir message en utilisant les boutons haut et bas. Ceci permet à tous ceux de cette ville de communiquer. Wonder Realty. Mon sauveur.
Tiens, un message de Tommy, on vient de l'assaut. Je suis Tommy de la pâtisserie Tartelette. J'aimerais te montrer ma reconnaissance pour m'avoir sauvé ma vie. J'ai décidé de quitter Fuji City pour quelque temps. Tu es vraiment mon sauveur. Je te souhaite du succès dans tes courses. Merci beaucoup, Otomi. Tim, merci d'avoir retrouvé mon portefeuille. As-tu utilisé le certificat? Je n'ai pas pu te remercier, alors je t'envoie ce message. Merci encore, mon sauveur, Otomi. Ah non, d'accord. Ça, c'est un autre message. Et Tim, c'est qui? Je ne me souviens pas d'avoir rencontré Tim. Portefeuille, c'est... Un portefeuille, oui, c'est un Peach Town, le portefeuille qu'on a ramené au poste de police, eh oui. Redécoré. Motif chic. Chambre vue, c'est quoi? Non, oh, excellent, c'est notre déco. Ok, d'accord, j'ai pas compris. Bah, j'aime bien ça, c'est stylé. Ok, jouer. Sliding Door. Race, Highway Race. Treasure, Antique Maze. Barrel, Dog Chic. Ok, c'est les petits les jeux qu'on nous a proposé, qu'on n'a pas forcément tout gagné, il y avait le... Et on a débloqué la mission, qu'on a eu notre garage. Très bien. Ça commence à devenir intéressant. Mal ça. Oh. Ça c'est notre garage. Il est mignon, c'est sympa. Et je suppose que oui, toutes les personnes qu'on a rencontrées c'est qui nous demandaient si on connaissait un bel endroit, on va pouvoir les recruter. Pour que cette ville florisse, en quelque sorte, et devienne... Connaisse une expansion. Hey, bienvenue, je suis content de te voir. Puisque tu fais de la publicité pour la ville, elle deviendra un bel endroit. S'il te plaît, circule le message. Ok, nickel. Bon, ben, c'était court, My City. On va passer à la prochaine ville, hein. On va prendre l'autoroute, on va quitter. Et puis let's go. Alors. C'est où ça? Non, Fuji City. Non. Ok, c'est là. Saint Police. Excellent. Let's go, les amis. Prochain arrêt, destination Saint Police. Ah. Quand je pense qu'on a quand même mis un épisode entier à trouver. Comment sauver Otomi de la pâtisserie Tartelette. Alors qu'en fait, la réponse était vraiment sous nos yeux depuis le début. Hein. Il fallait juste pousser un peu plus le garde. Et notre GPS vient de faire un petit clignotis. Ça veut dire qu'on a reçu un nouveau message dans l'ordinateur, un email. On verra plus tard quand on ira au garage. Pour l'instant, direction Saint Police. Je vous laisse avec la musique, le compteur, le ciel ensoleillé et nuageux. Et on se retrouve dès que la sortie Saint Police arrive. C'était plus rapide que prévu. Il y avait une autre direction, j'ai pas eu le temps de lire. Mais en tout cas, on prend cette sortie. Exit, Saint Police. C'est parti. Par contre, l'autoroute, sur le GPS, regardez en bas à gauche, elle est belle. Hein. On dirait un peu les carrefours, les croisements d'autoroute en Chine ou à Dubaï, je ne sais plus, et il y a une forme similaire. Go return, welcome Saint Police. Il y a un petit bâtiment. Ah, mais c'est un quick peek, ok. On va juste prendre une photo et on va direction Saint Police. Hein. Bienvenue à tout truc. Quick peek, on va prendre une petite photo. Une photo, ouais, pas mal. De nuit sur l'autoroute. Sympa. Allez, on continue notre périple. Direction Saint Police. Police, c'était là. Une deuxième photo, c'est toujours ça de prix. Cette fois la photo. Devant les deux panneaux, Go Return, oh, Welcome Saint Police. Excellent. Les deux quick peeks étaient vraiment à côté. Bon. On va à gauche. À Saint Police. N'oublie pas que ce jeu n'est pas français, donc on conduit à gauche, sur les voies de gauche.
ça, c'est différent, évidemment. Et on voit des petites pyramides hein, là-bas. Scène police, ouais. Il y a du sable, c'est logique. King, petite, ouais, on voit la ville qui commence à se dresser devant nous. Scène police, les amis. Ah, on va parler à cette personne. Akiban. J'adore jouer à des jeux. C'est pour ça que j'ai inventé le meilleur jeu. Je veux que tous les inventeurs de jeux jouent à mon jeu. Ensuite, je peux bâtir ma maison de rêve. Je souhaite qu'il existe un endroit où les gens aiment les jeux et les terrains ne sont pas chers. Tu connais un endroit comme cela? Lui dire, ne pas lui dire. Mais si, il va pouvoir venir à My City, du coup. My City? Je ne connais pas. Alors c'est là que j'apporte mon jeu. Merci pour l'info. Yes, les amis, on vient de recruter notre premier habitant à My City. Akiban. Ok. On va visiter Sainte Police avant d'explorer les maisons. J'aimerais un petit peu voir à quoi ressemble cette ville. En tout cas, elle a l'air, ma foi, fort sympathique. Oh, attention, on a quelqu'un qui arrive. Michael. Par contre, la voiture. La voiture, les amis. Ça c'est du collector. Vous avez devant vous une Chevrolet. Ouais. La Chevrolet Bel Air. Je sais pas quelle année, mais... Mais elle est belle, hein. C'est un modèle de collection, ça. Michael, il y a des belles bagnoles ici. Salut, mon nom est Michael, je suis un perdant. Excellent. Pourquoi veux-tu savoir? Tu connais la route en bois? Là, j'étais invité à faire la course traînage. J'ai perdu. J'étais si malheureux. Tu devrais faire un défi. Il est très très rapide. Ouais, la voiture. Ouais, c'est une Chevrolet Bel Air. Regardez les ailerons derrière. Magnifique. Petite place de la ville. Tower. Ah. Lisa. Tu es très cool. Lisa n'apprécie pas les coureurs plus lents qu'elle. Mais si tu es plus rapide que Lisa, alors là, Lisa est toujours sur la piste nocturne. J'espère te voir là-bas. Ok. On va explorer un petit peu la ville. Belle petite ville, bien, bien jolie là, avec des petites maisons très sympas, et des grands buildings derrière, pas mal de buildings, comme disent les Americans. L'accent est à chier. C'est un grand bâtiment, hein, bien luxueux par contre. On dirait se croirait dans une ville au Qatar, avec un gros ballon de foot là, en statue, des grands buildings. Des grandes routes là, des petits palmiers sur le terre-plein central. Sports. Ouais. Ok. On va faire le tour. En tout cas, ça a l'air sympathique comme ville. Ok. Ah, ça a l'air bien bien riche hein, tout ça. Attention. Ouais, c'est pris le terre-plein. Ah, c'est sympa. Hein. Grand immeuble, grand bâtiment. Figure 8. Un petit peu, on dirait Mario Kart. Figure 8 circuit, bien sûr. Circuit 8. Ok. Bon, ça a l'air sympa ici. Ça a l'air sympa, les amis. Alors on va se faire. Allez, on dit qu'on va se faire une première maison et après on se quittera. On se quittera pour cet épisode. Deux épisodes plus tranquilles, plus chill. Mais bon, c'est ça aussi. Il peut pas y avoir de l'action partout. Mais bon, c'est toujours intéressant. Enfin, moi je trouve. Ça permet de profiter aussi du calme et du chill de ce jeu. Elle est rentrée dans cette demeure énorme avec des ballons de foot. King. Énorme bâtiment, vraiment énorme. Ok. Oh là 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 là. Les amis, on venait d'avoir une Chevrolet Bel Air. Voilà. Une Lamborghini là. C'était riche ici, vraiment. On se croit au Qatar, les mecs. C'est. Rempli de bagnoles de riches.
Hey toi, Monsieur King, pardon. Hey toi, je suis heureux de te rencontrer, je suis King, joueur de soccer. Le ballon de soccer que j'ai commandé, il n'est pas arrivé et je m'inquiète. Je me demande si le magasin va le livrer. Ok. Belle Lamborghini. Je sais pas quel modèle, peut-être une Miura. Mais je suis pas sûr. Écoutez les amis. On va se quitter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Deux épisodes plus tranquilles, plus chill. Mais il en faut aussi. Voilà, j'espère qu'il vous a plu et on se retrouve très très vite.